Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Malville, film français et allemand de 1981, réalisé par Christian de Challonge. Une catastrophe nucléaire a tout ravagé. Quelques survivants tentent de s'organiser, se demandant comment et pourquoi reconstruire. Qui a pu échapper à l'anéantissement et combien sont en mesure de réagir? Les gens de Malville vont se sauver par la persévérance, l'amitié, l'amour. La civilisation reprend ses droits et même sa tyrannie. Récompensé des Césars du meilleur film et du meilleur réalisateur, ainsi que du prix Louis de Luc pour son long métrage L'Argent des Autres, sorti en 1978, Christian de Challonge profite de ce succès tant critique que public pour se lancer en 1981 dans son projet d'adaptation du roman de Robert Merle, Malville, publié en 1972. Qu'il s'inspire de faits réels ou utilise la fiction, Robert Merle, prix Goncourt en 1949 pour son premier roman Weekend à Zwitkot, s'intéresse particulièrement à l'étude comportementale. Dans Malville, l'auteur brosse sur plus de 600 pages le tableau très noir d'une civilisation qui, après un cataclysme, parvient pourtant à préserver sa part d'humanité. Une situation comparable à celle de L'Île, publiée en 1962, roman dans lequel les mutinés du Bounty se réfugient sur l'île de Pitcairn en vue d'échapper à la justice anglaise. Dans les deux cas, un groupe de survivants isolés est donc amené à reconstituer un semblant de vie sociale jusqu'à faire renaître une véritable micro-société. Tu te souviens des vieilles histoires de naufrage? Quand il y a un radeau, tout le monde veut monter dessus. Alors ceux qui sont sur le radeau leur coupent les mains. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Je ne sais pas. Mais c'était des hommes, il n'en reste pas beaucoup. Nous aussi, nous sommes des hommes. On a réussi à survivre, c'est tout. Parce qu'on a eu de la chance? Et après? Nous devons nous défendre. Réunis dans le chez du maire du village pour un problème d'urbanisme, nos protagonistes sont soudainement tirés de leurs petits arrangements par une intense lumière pénétrant les rares ouvertures. S'ensuit un bruit strident, de violentes secousses et une hausse brutale de la température telle qu'elle transforme la pièce en véritable sauna. Abasourdis, les jambes sciées et le bec cloué par l'événement, les rescapés ne sont pourtant pas au bout de leur surprise. Comme nous ne sommes pas dans un divertissement hollywoodien à gros budget et que nous vivons les choses du point de vue des personnages présents dans la cave, nous ne verrons donc que les conséquences directes de la catastrophe et non véritablement la catastrophe en elle-même. Dehors, le soleil et l'horizon ont disparu derrière une épaisse pluie de cendres battue par le souffle d'un vent violent. Seuls les hennissements du cheval de labour parviendront à émerger du fracas ambiant. À mesure que s'éclaircit le ciel, se dévoile une terre désolée, jonchée de ruines, d'arbres, de cadavres calcinés et de rivières détournées de leur lit. Des visions de fin du monde offrant des plans magnifiques, dignes de véritables peintures et qui font beaucoup dans la crédibilité du film. Une réussite formelle qui vaudra d'ailleurs à Max Douy le César des meilleurs décors. Passé le temps de la sidération, il est évidemment important de mesurer l'ampleur des dégâts, d'enterrer les morts, recommencer à parler, savoir s'il faut évoquer ceux qui nous sont chers, qui vivent ailleurs et que l'on a probablement perdu, ou ne rien en dire pour le moment, faire l'inventaire de ce qui peut être sauvé, vêtements, couchages, médicaments, matériel, animaux et bien entendu nourriture. Un moyen de survivre, puis de lentement commencer à envisager l'avenir, jusqu'à la découverte d'autres survivants, marquant le début des ennuis. Nous ne sommes pas nombreux, mais je ne te laisserai pas la vie. Tu es un homme d'avant la catastrophe. Tu ne mérites pas d'avoir survécu. Désormais, la loi du tunnel sera la seule loi. Si Malville a des survivants, ils obéiront. Ou ils mourront. As-tu une prière à faire ? Et
Évidemment, la catastrophe servant de point de départ au film n'est qu'un prétexte, tant pour l'auteur du roman que pour le réalisateur, pour étudier les comportements entre les survivants, disséquer leurs faits et gestes, voir si les instincts de l'homme reprennent le dessus une fois la civilisation réduite à néant. D'un côté, les survivants du village de Malville, menés par Emmanuel, interprété par un très bon Michel Serrault, le maire d'avant la catastrophe et en qui le restant du groupe a choisi de renouveler sa confiance. Peu démonstratif, il assume pleinement ses responsabilités et ses choix et ne souhaite qu'un retour à la normale, un retour à la vie d'avant. De l'autre, un groupe réfugié dans un tunnel, mené d'une main de fer par celui qui se fait appeler le directeur, interprété par le non moins excellent Jean-Louis Trintignant, lequel fait régner sur les autres un régime autoritaire proche de celui d'une secte, fondée notamment sur la peur et la confiscation des biens. L'opposition entre les deux camps se met en place en évitant heureusement un manichéisme trop réducteur. Au réalisme des décors post-apocalyptiques et de l'étude de mœurs, le réalisateur apporte également une touche de poésie quand il s'agit de filmer la nature. Des animaux de la ferme, aux oiseaux, en passant par les insectes, la pluie et les plantes, ce retour de la vie est évidemment un signe d'espoir fort envoyé à nos survivants. Une reconstruction est possible, même si elle attire bien des convoitises. De même, le film interroge la place des femmes dans ce monde d'après. Qu'il s'agisse de la grand-mère, de la jeune Evelyne ou des femmes appartenant au groupe du tunnel, rien ne sera réalisable sans leur présence, leur autorité ou leur dévouement. S'il m'est impossible de juger le film en tant qu'adaptation du roman de Robert Merle, ne l'ayant pas lu, on peut toutefois noter que l'auteur n'a pas du tout apprécié le résultat, au point de renier le long métrage et de ne pas souhaiter y voir figurer son nom au générique. C'est qu'il a bien fallu que le scénariste Pierre Dumayet et le réalisateur Christian de Chalonge simplifient les choses, l'adaptation telle quelle du roman étant difficile. Mais les inconditionnels du roman ne semblent pas y trouver leur compte, estimant le récit moins complexe, le film moins riche en personnages, moins subversif, moins politique. Sans considérer le long métrage comme une adaptation, mais comme un film à part entière, Malville de Christian de Chalonge est une œuvre assez atypique dans le paysage français, le genre post-apocalyptique n'étant pas forcément très représenté. Évitant la surenchère et bénéficiant d'une équipe technique solide, le film résiste au poids des ans sur la forme. Quant au fond, le propos demeure tout aussi pertinent. Si vous avez apprécié cette survie en zone sinistrée, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut !